ma louloute? Toujours bloquée sur ton cher Tristan? Ah, il est vraiment trop mignon. Là, il mange un sandwich au poulet. Waouh, trop sexy. Mais dis, pourquoi tu ne vas pas lui parler au lieu de l'espionner? Lui parler? Ben oui, tu sais, les mots, les phrases, tout ça. Mais je suis pas encore tout à fait prête, maman. Tu le connais depuis la maternelle et vous n'avez jamais échangé un mot? Au fond, tu es amoureuse d'un garçon que tu ne connais pas. Erreur! Je sais absolument tout sur lui, figure-toi. Vas-y, regarde. Bon, là, il s'étire, ensuite il va fermer sa BD, et puis il va terminer tranquillement son sandwich, et puis... Non. Hein? Quoi? Non! Mon cœur saigne! Lou! Attends! Enfin, Lou, un doigt dans le nez, c'est rien. Moi-même, de temps en temps, le soir, devant la télé... Je veux pas savoir, c'est dégoûtant! D'accord, ok, d'accord. Allez, ma louloute, sors de cette malle! Non! J'ai besoin d'un peu d'introspection pour comprendre comment j'ai pu aimer un cochon pareil! Introspection? Ok, tu l'auras voulu! Maman? Ma chérie, il arrive un moment où on ne peut pas tout raconter à sa maman. Mais à son journal intime, on peut tout dire. Surtout ses peines de cœur. Non, je préfère rester malheureuse toute ma vie. Mina, j'ai besoin de toi, là. Doigt dans le nez, amour déçu, mal de la honte. Je vois. Nous devons faire face à une situation de crise niveau 8. Voire 9. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Je ne vois qu'une seule solution. Faire chauffer du lait. Maintenant, il suffit de compter. 1, 2, 3, stop! Mina! Ok, je vous laisse. Pendant ce temps, je vais vous préparer une surprise, un super déjeuner. Un déjeuner, t'es sûre? Oui, oui, t'inquiète pas. Bon, alors Lou, c'est quoi ce drame avec Tristan, hein? Ne prononce plus jamais ce prénom! Mon cœur a été brisé par les sombres et implacables mâchoires d'un phacogère aux naseaux putrides. Ok, tu nous fais carrément une crise de niveau 12. Tu sais quoi? Il faut que tu passes à autre chose. Tu dois oublier Tristan... je veux dire, Bob. On va l'appeler Bob. L'oublier? Ben voyons, et comment? T'inquiète, j'ai des tas d'idées. Alors, c'est pas génial d'être ici? Ouais. Tu entends ce doux bruit qui se rapproche? 4, 3, 2, 1... Oh! Yahoo! Wouah! Celui-là, je parie qu'il va à Madagascar. Et toi? Je sais pas, on fiche. Allez, imagine qu'on est dedans et qu'on fait le tour du monde! Énorme. T'as vu la taille de son nez? Oh. Et crotte. Bon alors, curcuma. Curcuma... Il n'y a pas de curcuma à Osaka. Je répète, il n'y a pas de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Silence, malheureuse! Quelle est votre stratégie? Sabotage? Infiltration? Non. Fabrication de goulash sildave. C'est pour ma fille. Elle a son premier chagrin d'amour. Un garçon qui s'est mis son doigt dans le nez sans crier gare. Je vois. En 1958, un sorcier Matoutou a recollé les morceaux de mon cœur brisé. En Afrique? Non, en Haute-Marne. Depuis, le maraboutage n'a plus de secret pour moi. Mais ne le répétez à personne. Ok, je vais faire gaffe. Allez, maintenant, vas-y, Lou. Mets-y toutes tes tripes. Il faut l'exorciser, ta douleur. Elle doit rester là, sur le trottoir. Allez, fais-lui sa fête. Waouh, c'est puissant. Alors, ajoutez ensuite les carottes coupées en rondelles. Bien.
Voyons voir. Carotte, carotte, carotte. Ah bon, allez, va pour du concombre. Après tout, c'est la même chose, en plus gros et en vert. Hop. Voilà. Ajouter une pincée de sel. Faire mijoter une heure à feu doux sans arrêter de tourner. Ok. Round 2. Fight. Allez, vas-y, sabatte-le comme il le mérite, ce ninja de malheur. Youpi! Dans ce jeu. Ouais, tu m'étonnes. Allez, continue et n'oublie pas l'attaque spéciale. Voilà, et maintenant, mets-lui un gros punta. Yeah! Bien joué, le bourre-pif! Je suis désolée, mais là, j'ai épuisé tout mon stock d'idées pour te faire oublier, Bob. Je vais être malheureuse à jamais. Désormais, le soleil de l'amour ne luira plus pour moi. Mon existence ne sera plus que... ténèbres. Attends un peu avant les ténèbres. Ta mère nous a préparé un super déjeuner. Sympa, non? Et voilà, du délicieux borsch. C'est une recette sildave destinée à réconforter les amoureux en détresse. Miam, ça sent drôlement bon, hein, Lou? Qu'est-ce qu'il lui prend? Surprenant. Bon, au grand mot, les grands remèdes. Vous, vous allez manger chez Gino une pizza. Moi, j'ai un petit truc à faire. Rendez-vous ici dans une heure. Il n'y a plus de curcuma à Osaka. Il n'y a pas d'estragon à Saigon. Et pour mes petites reines, deux super Regina préparées avec amour par votre Gino. Lou, depuis que tu es entrée, tu fais une tête d'enterrement. Ma, tu veux couper l'appétit de tous mes clients? Gino. Oh, mia bambina, si je trouve le misérable qui t'a fait de la peine, il va entendre parler de Gino. Rah, il va déguster et pas une calzone. Bonjour, Gino. Ma pizza est prête? La voilà, Tristan. Buon appetito. Merci, Gino. À plus. C'est bon, Lou. Bob est parti. Ma, qui c'est ce Bob? Un maraboutage anti-cœur brisé. C'est ça ta super idée? Simple et efficace. On rassemble tous les objets appartenant à Bob que tu possèdes. On ajoute un de ses cheveux et on fait tout flamber. Et ensuite on appelle les pompiers? Mais non, ensuite tu es libéré. Ça marche, j'en suis sûre. C'est l'ancien qui me l'a dit, alors? Oh bah alors tu penses? Allez Lou, quoi? Ça coûte rien d'essayer. Tu veux l'oublier ou pas ton Tristan, ton Bob? Ok, ok. J'ai peut-être un ou deux trucs à lui. Mais je promets rien. Génial. Il ne manque qu'un de ses cheveux. Oui, bah désolé maman, j'ai pas ça en stock. Alors autant laisser tomber. Hein. Je ne laisse jamais tomber. Bonjour jeune homme. Voulez-vous aider la science à faire des progrès décisifs qui changeront à jamais la face de l'humanité? Waouh, comment t'as fait? Top secret. Allez, tout le monde en place. Le maraboutage anti-cœur brisé peut commencer. Oh, istu param nazita l'amour, adieu à l'amour, vrunta, adieu à l'amour. Oh, istu param nazu. Ah, en fait, l'idée, c'est de te casser les oreilles. Comme ça, t'oublies direct ton cœur brisé. Oh, les filles, n'arrêtez pas. Je sens l'esprit du grand Matoutou fondre sur moi. Oh, je dis adieu à l'amour, adieu à l'amour, adieu. Banana, Nico. Voilà, maintenant, mettre le feu à tout ça, tu dois, et l'oubli, tu trouveras. Bon, allez, quoi, vas-y. Allez, Lou. Et comme ça, j'oublierai mon amour pour toujours.
Résultat garanti par le grand sorcier Matoutou de la Haute-Marne. Hein? Oh? Je peux pas. Tristan me dégoûte, mais je ne veux pas l'oublier. J'ai besoin d'être seule maintenant, laissez-moi. À son journal intime, on peut tout dire, surtout ses peines de cœur. Et ça soulage, crois-moi. Allô, Mina, c'est moi. Oui, ça va mieux. Tu sais quoi, Tristan et moi, on est pareil. On est fait l'un pour l'autre. C'est la première fois que je tiens un journal intime. J'ai le trac. Je crois qu'il faut commencer par « Cher journal » ou un truc comme ça, non? Ou alors je présente les personnages comme dans un livre. Ah ouais, je vais faire ça. Alors, lui, ben, c'est Tristan. On pourrait croire que c'est mon amoureux, mais bon, en fait, c'est juste un copain. Ouais. Un très bon copain. Un très très bon copain. Mais un copain. Pas plus, hein. Juste un copain, quoi. Voilà.